Nyambe Nyamisan Jeannette. Je suis artiste confirmée de La Parisienne. D'abord, mon nom sur mon album, c'est Miss Jeannette. Mais j'ai décidé de me faire appeler La Parisienne parce que je vise loin. Bon, ce qui m'a motivée à être artiste aujourd'hui, j'aime beaucoup la danse à Bodan. Depuis tout petite, quand je vois mes parents aller danser à Bodan dans les villages, je vais avec ma tante et je danse à Bodan avec elle. Donc quand on chante les morceaux à Bodan, les chansons à Bodan, j'écoute les chansons, des paroles et ça me fait plaisir. Parce que le père même a aussi des kangandi et la mère, elle aussi, elle chante. Donc moi j'aime beaucoup la musique parce que ça y est dans la famille. D'abord même, j'étais dans la variété au village. Quand on dit non, chaque fin d'année, on va aller danser, variété, scope, on fait un peu de tout. Je chante avec mon grand frère, il fait woyo. Souvent je me déplace, on va aller faire ambiance dans les villages. Et j'ai décidé de faire un album et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai fait sortir un album qui est sur le marché, que les gens aiment beaucoup, les gens me soutiennent, les gens m'encouragent, parce que je fais la fierté du Soud Koumoué. Dans le Soud Koumoué, les femmes qui chantent, il y en a, mais il n'y en a pas plein. Il n'y en a pas plein. Aujourd'hui, comme cela, j'ai adopté le nom La Parisienne, parce que je sais que ce nom va me porter aller loin. On dit c'est ce que tu demandes que Dieu te donne. Un projet qui me tient à cœur aujourd'hui est que si j'ai de l'argent, je vais créer une centre à prendre les gens à danser à Bodan. À Bodan, c'est la danse de chez moi, que moi-même je sais bien danser. Apprendre les jeunes gens, tous ceux qui veulent apprendre à danser la Bodan aujourd'hui, si tu, j'ai une sainte, on met mon nom La Parisienne, les gens peuvent venir, on les apprend à danser à Bodan, aller en Europe, un peu partout, le monde entier, aller montrer les gens la danse de chez moi. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, la danse de chez moi à Bodan, quand les gens me disent « Ah, tu sais danser la Bodan », je suis fière. Je suis fière. Un deuxième projet est que c'est pour aider les femmes. Les femmes, faut donner conseil à certaines femmes au niveau du foyer. Ce que moi-même j'ai vécu, donner l'idée à certaines femmes, comment il faut vivre dans le foyer, comment il faut vivre avec ton homme. Ça, c'est mon projet à moi aussi. Vous voyez. Donc si demain, j'ai eu l'argent, je peux créer une centre pour aider certaines personnes. Même les orphelins, même les élèves qui ont besoin de soutien. Il y a des parents d'élèves qui ont besoin d'aide. Si aujourd'hui, moi je suis bien, moi aussi je peux aider ces personnes-là. C'est ce qui me tient à cœur. Merci à Mangam. Amani Omania, yeah. Oh, Fiminoa, oh, Fiminoa, oh, Fiminoa, oh. Merci à Mangam, Aminoa, eh. Y'a eu à Mami, Aminoa, eh. Merci à Mangam. Mama, eh. Benyami, oh. Mama, eh. Mama, eh. Bravo à Benyami, eh. Mama, eh. Benyami, oh. Le morceau veut dire.
toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. La même bouche qui bénisse, la même bouche peut te créer des problèmes. Quand tu entends l'histoire de l'autre, avant d'aller dévoiler, il faut réfléchir 7 fois. C'est ce qui veut dire la chanson. Mon ami, c'est ta voiture qui te met dans cet état-là? Oui. Parce que tu sais qu'il existe des gestes simples pour payer moins cher. Non, non. Il faut déjà commencer par éteindre les lumières des pièces inoccupées. Débrancher tous les appareils en veille, ainsi que les chargeurs non utilisés. Faut pas oublier de fermer les portes et puis les fenêtres lorsque ton climatiseur est en marche. Et puis éviter d'ouvrir vraiment le réfrigérateur sans raison. Quand tu pars acheter des appareils, il faut s'assurer que ceux-ci soient économes en énergie. Tout ce que tu... Il n'y a même pas un je respecte dedans. Quand tu gères ta consommation, tes factures ne seront pas élevées. Mon ami, si tu gaspilles ton courant, tu gaspilles ton argent. Ceci est un message du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies Renouvelables. Aujourd'hui, conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, surtout les filles, ne regardons pas la facilité. Parce que moi, la Parisienne, je demande à tous ceux qui m'écoutent de travailler dur. Aujourd'hui, pour être artiste, ce n'est pas facile. C'est bien vrai qu'on nous dit, ah, milieu artistique est sale, ça dépend. Il faut aimer ce que tu fais et tu vas aller de l'avant. Écoutons des conseils de nos parents. Écoutons des conseils de nos aïeux. Le respect, après tout. La facilité donne la mort. Aujourd'hui, si on refuse d'aller à l'école, on refuse de travailler, c'est la mort qui suit. Parce que la facilité, c'est la mort. Mais quand tu travailles, tu gagnes devant. Et tu peux donner conseil à tes petits frères. Moi, conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent me ressembler, est que de travailler dur. Parce que toute chose que tu aimes, comme la musique, il faut avoir la patience. J'aimerais dire aux Ivoiriens, aimons-nous les uns les autres, surtout la paix. Aimons-nous les uns les autres parce que l'amour est plus fort que tout. Il demande surtout la joie au cœur, l'amour et l'entendre. On dit la solidarité, l'union fait la force. Je demande à tout le monde, tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens qui m'écoutent, aimons-nous les uns les autres. Mon mot de fin, je remercie Ma Ferré TV de nous avoir aidés parce que si aujourd'hui il n'y a pas la promo, c'est vous qui nous aidez. Grâce à vous, on nous regarde un peu partout, on entend parler de nous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Bon, je remercie à tous ceux qui me soutiennent. Bon, je remercie mon manager. Je remercie mes grands frères chéris qui sont à Abidjan. Je remercie en tout cas tous ceux qui me soutiennent, qui me donnent le courage. Tous ceux qui me donnent conseil au niveau de la musique, en tout cas, je vous aime. Je vous aime énormément. Je remercie mon arrangeur aussi, mes deux arrangeurs, Baby Philippe et Bovlet Simon, pour vous dire, prochain album, ça serait bientôt. Prions Dieu pour la Côte d'Ivoire. Prochain album, ça serait bientôt. Je ne vous ai pas oublié, votre artiste est là, elle travaille dur. Prions Dieu et ça vient. Bye bye, je vous adore, c'est la Parisienne.
je fais. Plus de toi, oh mon frère. Allons apprenons à nous aimer. Oh.